Elle est devenue en quelques jours aussi célèbre que son mari. En février dernier, Vladimir Poutine a violé le droit international en lançant une offensive armée sur l'Ukraine, dans le but selon lui de démilitariser et dénazifier le pays dirigé depuis 2019 par Volodymyr Zelensky. Un simple prétexte selon ce dernier pour envahir l'Ukraine, critiquant les plans impérialistes du président russe, dont les attaques ont déjà fait plus de 400 morts parmi les civils. Mais s'il est menacé de mort et a déjà fait l'objet de plusieurs attentats, jusque-là échoués, le chef d'État peut compter sur un soutien de taille, celui de son épouse, Olena Zelenska. Si les femmes et les enfants comptent parmi les plus de 1,7 million de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine selon l'ONU, la première dame, elle, a décidé de rester auprès de son mari à Kiev. Très engagée, elle a notamment appelé la Russie à un cessez-le-feu dans un message déchirant sur les réseaux sociaux, relatant la mort de plusieurs enfants dans les bombardements, et ce consciemment et cyniquement par l'envahisseur. Montrez cela aux mères russes, faites-leur savoir ce que font leurs fils en Ukraine. Montrez ces photos aux femmes russes, vos hommes, frères, époux, compatriotes tuent des enfants comme les vôtres, a-t-elle ajouté. Des mots forts de la part d'Olena Zelenska, véritable figure féminine en Ukraine qui, au début du mandat de son mari, s'est également imposée en une de Vogue. Combien d'enfants a Volodymyr Zelensky? En décembre 2019, elle a ainsi fait la couverture, 3 même, de Vogue Ukraine, posant notamment avec son mari, de dos, et leurs deux enfants, Alexandra et Kirillou, âgés de 17 ans et 9 ans. De sublimes clichés exhumés sur lesquels elle apparaît tantôt souriante, tantôt sérieuse en plein exercice de ses fonctions, elle qui a à cœur l'éducation des enfants ainsi que les droits des femmes dans son pays. Des clichés qui montrent les différentes facettes de sa personnalité, elle qui est plus que jamais la détermination de celle qui, malgré les menaces de mort, ne compte pas fuir même si cela signifie périr. Loading widget.